Merci beaucoup. Pour être très sincère, j'ai même pas préparé de discours. Je m'y attendais pas, d'autant plus que j'ai eu l'occasion de rencontrer les autres compagnies également finalistes que je voulais également visiter, qui sont donc 1642 Cola, que je ne sais pas rencontrer en direct, mais plutôt plus particulièrement Maxence avec My Little Big Web. Et ce sont de très belles compagnies. Encore une fois, un grand merci aux membres du jury, aux autres finalistes à l'est de Montréal. C'est pour moi une reconnaissance, d'autant plus que notre métier est méconnu. Lorsque l'on dit que l'on est cordiste, les gens pensent que l'on accorde des guitares, ce qui est très loin de la vérité. En effet, on est des travailleurs sur cordes, donc des hommes araignées, et on peut travailler un peu partout sur des grands buildings. Cette année, justement, on comptait justement se développer davantage à l'est, donc je pense au Stade Olympique, sur lequel on a déjà eu l'occasion de faire une émission. Je pense au port, je pense au silo Canest, à Sucre Lantique, à Vaupac, plein de compagnies qui pourraient avoir besoin de nos services, un peu hors norme d'hommes araignées. Donc encore une fois, un grand merci à vous et je serais vraiment fier d'afficher ce trophée sur mon bureau. Merci.